Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le SA. Nous comptons rejoindre nous pour notre émission spéciale. Là, nous allons encore tourner sous terrain pour nous regarder qui s'est cap réalisé, qui s'est cap fait. Toujours dans le cadre de caravane, changement bien entendu. Nous avons fait plusieurs départements, nous avons fait plusieurs communes et avec Imajo, nous avons une idée claire et nette de qui j'ai travaillé, avancé, de qui j'ai monde que travaille à faire, comprendre ce qui a passé et qui sa perspective très certainement capable dans un jour, dans un mois. Au sort de l'année, cap Vinilayo tenant compte de ça qu'a fait. Nous allons rapidement recevoir l'équipe qui était dans le sud avec Grenos, l'équipe Sartre la Dani, Ricardine Desanges avec Moïse Wilbridge, M. Damio Temaniche, M. Chantal, Yo Paletouac, délégué départemental sud-là, Max Serge Daniel, très certainement Ricardine Galbanou. Quelques détails sur qui ça nous capable d'attendre nous à ce soir dans quatre images, Yo tourné pour nous, pour sud avec Grenos. Ricardine, bonsoir, comment ça y est? Bonsoir Lindor, bonsoir avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti. Un plaisir pour nous être capables de recroiser avec encore pour notre fois pour week-end ça, puisque il y a pratiquement une habitude de chaque week-end nous déplacer, nous aller regarder comment la réalité de travail qu'avant le changement la paix avancer sous terrain. Et pour week-end ça, Serge Lindor, nous d'abord été rencontré ensemble avec le délégué départemental sud, Max Serge Daniel, pour être capable de permettre nous guider dans qui est à avancement, travail. Même hier dans le département sud là comment j'ai avancé et qui s'arrive en perspective par rapport avec prochain jour. Et ensuite nous allons d'abord dans la commune Maniche, nous avons constaté que gain ouverture route Maniche qui a poursuivre en même temps gain travail canalisation qui a fait dans cette ville Maniche et en même temps nous avons profité de faire un coup de pied pour le week-end ça au niveau de la commune Chantal, puisque nous connaissons le travail dans la commune Chantal, nous avons fait un peu et pour le week-end ça, nous reprenons ce qui est une possibilité pour la commune Chantal, même qui a trois sections communales capables de gagner un travail bien dans la fait sorti depuis la rentrée ville Chantal, là, passer la place jusqu'à exactement cette ville Chantal. Donc pratiquement, pour week-end ça, c'est différent axes qui ont été ciblés pour téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Mais très certainement, déjà, on a cassé rendez-vous ensemble avec vous, Serge Lindor, pour le week-end prochain, pour nous capables, encore une fois, de permettre une idée de comment travailler avancer. Mais pour faire ça, nous sommes capables d'aller visiter ensemble l'autre chantier, toujours dans le département sud et pourquoi pas dans le département Gades. Donc, n'a pas invité tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti à rester branchés pour capable suivre l'émission spéciale qui a fait autour de ce travail caravane changement. Ricardine Desanges depuis le département sud, télévision nationale d'Haïti. Merci un peu Ricardine, c'est pratiquement un rendez-vous nous chaque semaine dans le SAR sous TNH pour nous regarder qui ça a réalisé, qui ça a fait. Et Ricardine déjà a une bonne idée de l'ensemble de communes, les visiter pour nous semaine ça. Et premier côté Ricardine avec Moïse Wilbridge Chapman et nous, c'est Chantal, commune dans le département sud, nous bralouer avec Imajo, qui ça a réglé dans la zone ça. Télévision nationale d'Haïti n'a pas pu suivre ensemble avec Viron Nuyo. Et là, pour Kounia, nous avons une commune Chantal qui est une commune département sud. Construction route pour mener jusqu'à la commune Chantal qui démarre, puisque là nous avons rentrée ville et il y a un bétonnage qui a fait au niveau de rentrée ville. Très certainement, nous allons permettre de comment travailler ça avancer, mais en même temps, pour chercher rencontrer la population pour permettre nous de comment travailler ça au même lieu commencé et comment vous avez initiative travailler ça par rapport à la réalité que vous vivez dans la commune Chantal. We'll be right back.
travail niveau construction au Chantal là, nous commençons depuis dans Bienvenue à Chantal, nous descendons, nous arrivons déjà à la place, nous faisons le premier bord déjà, ensuite nous avons le deuxième bord, nous descendons sur la place, et puis après nous finissons arriver à la place, nous allons continuer encore pour nous capables d'arriver exactement devant pont et côté Adoquin et en bas. Mais je dis à la travail ça nous connaît fait un petit campé, dis nous pratiquement est-ce que nous reprenons là pour nous capable balancer jusqu'à ce que nous finissions travail là ou du moins c'est comment ça est. Bon, ça va le pas. Ça va le pas de comment financement est, par contre est toute bagarre net de financement. Vous comprenez, ça va le pas comment ça est. Vous comprenez automatiquement que yo débloqué rapide pour nous capable continuer d'aller. Ça c'est ingénieur responsable en chef là, c'est lui même qui connaît, vous comprenez, parce que moi même je dois continuer là et puis il dit stop, vous comprenez, ça va dépendre de responsable. Je dis à la route Chantal là, est-ce que pratiquement c'est bétonnage seulement cap là donc nous ça bien parti qui a fait en asphalte? Non, m'pa quoi sorti de deux buts Chantal. Dans deux buts Chantal devant rivière à disons à Doquin point pont devant là c'est en béton. Dans la zone, nan, chaque fois, gros la pli, surtout ouragan Mathieu, gros de l'eau qu'on a envahi. Là. Et travail ça, moi, son contentement, pour moi, son grâce, papa bon Dieu fait pour nous. Et mais qui passe dans quelle autorité, yo, et mais qui encourage le travail ça a fait. L'année passée, mon travail a fonctionné bien. Je me félicite, ingénieur, tout, et puis, formant là, et puis, mon qui fait contact, bout là tout. Et puis moi travail a fonctionné très bien et moi la marche très bien sans camper et me féliciter tout. Okay. Est-ce que vous pensez que le travail ça qui a fait sur Chantal là c'est un moyen qui permet que la commune arrive jeune développement même avec diverses autres communes dans le pays? Oui, quand même. C'est que si que nous pas gain route, pas gain développement sans route, nous pas gain aucune activité qu'a fait, aucun bail pas qu'a marcher, mais qu'on y a signé, qu'on y a toute activité pas bloquée. Vous comprenez? Toute activité a marché normalement, même j'ai de l'autre côté, j'ai développé. Nous même ne font pas en avant tout, même j'ai de l'autre côté. Bon, bien satisfait de travail là, et bien peut-être qu'il peut finir, beaucoup finir satisfait tout. Parce que l'aime finir satisfait, l'aime fini. Parce que le plus souvent, travail ça, il y a un arrivé côté au campé, il fait 2-3 jours, mais comme ça, moi, beaucoup campé. Bon, félicité tout, en pile félicitations. Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, là, nous, commune Chantal, nous souhaitons permettre de vivre comme un travail qui a fait rentrer ville Chantal à commune avancée, puisque là, nous sommes exactement dans une zone de la place côté travailleurs à poursuivre, depuis que nous venons depuis déjà quelques semaines, travail bétonnage pour mener jusqu'à ville Chantal, lui-même qui a démarré dans la commune Silla. Nous avons noté pour que la commune Chantal a 3 sections communales et la population dans la zone ça souhaite que le travail ça à côté de la ville soit capable d'arriver à toucher la section communale. Il y a une manière pour faciliter que l'interconnexion qui fait non seulement dans la grande ville, mais en même temps tout permettre que la ville connecte avec la section communale. Et Cadine des Anges depuis la commune Chantal pour la Télévision Nationale d'Haïti. Permettre aux communes connectées une à l'autre, faciliter la circulation, permettre aux marchandises de sortir nos points pour l'autre. C'est autant de motivation derrière
construction, tronçon route ça et Chantal, et j'en suis entendu là, et technicien qui a pu continuer le travail, moun dans zone qui estime c'est un gros causé, hein, construction route ça, pendant quoi il est nécessaire pour travailler au pas camper, il y aura poursuivre, jouk nan boutu.